donné ce charme, mais on reste quand même un petit peu le turban. Donc oui, le turban, la tombe, la tombe, on l'a modifié, ça devient une tombe moderne. Et voilà la raison de ces 25. En tout cas, voilà la raison qui nous ont fait approcher de Philippe Guilluc pour les 25 ans de l'anniversaire. Alors, monsieur Michevel, moi, je vous connais un peu parce que je suis aussi très active dans le social. Je sais que vous l'êtes aussi, je sais que vous soutenez de nombreuses causes. Vous le faites dans l'ombre parce que vous êtes aussi quelqu'un de modeste. Merci. Vous êtes conscient que vous êtes quand même une réussite pour l'immigration belgo-marocaine. Donc 25 ans de présence sur le terrain. 25 ans, c'est pas rien alors qu'on est à la veille des 50 ans d'accords bilatéraux entre la Belgique et le Maroc pour la main-d'œuvre. Vous êtes quand même un modèle pour la communauté belgo-marocaine. C'est une jeune belgo-marocaine qui vous le dit. Vous êtes le premier belgo-marocain qui est rentré dans la chambre des commerces. C'est pas rien non plus. Alors aujourd'hui, si vous avez un message à transmettre aux jeunes de la deuxième et troisième génération, quel est-il ? C'est pas rien qu'aujourd'hui. Ce message, je n'arrête pas de le marteler tout le temps. D'ailleurs, le hasard fait que demain, il y a la journée des clics. On est là aussi avec notre ami Christophe Socal, notre directeur de communication, justement pour marteler à ces jeunes que la réussite ne fait pas, ça ne sera pas tout seul. Il faut quand même croire à ce qu'on fait, il faut avoir de la conviction. Surtout, quand tu me prends moi comme exemple, en venant du social, et en me retrouvant dans une boîte, demain gérer une boîte, c'est vraiment l'exemple type de quelqu'un qui n'a pas eu peur. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas pris ni chômage, ni maladie, j'ai pris 2 ans de congé sans solde au ministère de la Justice, et je me suis taillé, j'ai fait, demain qu'est-ce que je dois faire ? Ben c'est exactement, c'est donc croire à ce qu'on a envie de faire. Donc ceci, c'est en 85-86. Donc, pour ces jeunes, c'est vrai actuellement, c'est vrai que ces jeunes, on voit de plus en plus de jeunes qui sont qualifiés maintenant, on voit quand même des gens de sortie, etc. C'est vrai que point de vue travail, on a difficile à les caser, pourquoi, j'en sais rien, mais ça c'est la mentalité qui veut. Mais on essaye de faire par des journées, on a fait une journée, rappelle-moi, je ne sais plus, avec la BPM, demain de nouveau déclic, l'année passée on a fait cette journée à la Bourse aussi, Salon Leeds, donc on est là tout le temps. Il y a présent des gens, sur le terrain, voilà, oui. Il y a ces jeunes, on le fait avec notre temps, nos thunes, parce qu'on n'a rien à gagner, pour essayer de placer ces jeunes d'abord dans des sociétés amies que nous connaissons, ou dans la télé, dans la communication, etc., des gens que nous connaissons. On essaye de donner la chance à ces jeunes, et quand ils sont là, ben, ils s'accrochent, et j'espère que cette réussite va venir, il faut croire, tout simplement. Puis la place de la femme aussi dans votre société. Ah, je vous suis de très près, et je sais que votre épouse... Des questions très pareilles. Oui, non, pas du tout. Je vous suis de très près et je sais que votre femme a une place importante aussi bien dans la réussite de ce projet. Elle a conçu aussi les noms de Mia Trading. Chaque nom a une histoire dans vos produits également. Donc elle est très active aussi. Et on le dit, derrière chaque homme qui a marqué l'histoire, il y a une femme. Et donc parlez-moi un peu de votre femme. Alors elle est régente en français histoire. Elle a travaillé, je crois, 2 ans d'enseignement, et puis je l'ai récupérée, elle a travaillé avec moi. Vous l'avez débauchée. Voilà, c'était mon bras droit. L'enseignement dans les années 80, c'était très difficile. Elle était très jeune, elle m'a accompagné. En fait, c'est vrai, quand tu dis qu'elle a trouvé des mots, il y a pas mal de noms, par exemple, Beaugrain, ou Belma, ou Belzina, ou Borza, etc. Tous les noms qui commencent par B, c'est elle. C'est vrai que c'est... Elle a le feeling de trouver les mots et de les placer sur le produit qu'il faut. Mais il faut dire que c'est une femme. Une femme, ils ont la qualité. Ils ont ces qualités-là. Mais elle m'a accompagné dans mon périple, si on peut appeler ça un périple. Je crois que maintenant, peut-être les 10 premières années, c'est un petit peu, difficile. Mais après 10 ans, je crois que ça y est, la société a fait son nom. Nous sommes connus, nous sommes deuxième en Europe actuellement en produits ethniques. Donc ce n'est pas rien. On ne peut pas faire tout seul. Il y a 20 personnes qui travaillent derrière. Je ne suis pas tout seul. Je suis peut-être le sommet de pyramide. Mais c'est tout, mais il y a toute une fourmilière en dessous de moi qui travaille, c'est eux qu'il faut remercier surtout, y compris mon épouse, elle fait partie aussi, partie intégrante de la société. Alors, je ne sais pas s'il y a une boîte de thé avec le chat. Voilà, le chat, l'ancienne boîte. D'accord, et l'ancienne boîte aussi, parce que je sais que dans l'ancienne boîte, c'est vous, il faut regarder le dessin de très près, et c'est vous, sous cette tente berbère. Et l'autre, c'est le chat. Et l'autre, c'est le chat. Et on va peut-être, appeler... Ça, c'est moi. Ça, avant ça c'est moi et ça c'est Philippe. Alors nous parlons un peu de ce projet, parce que ce projet, je sais qu'il émergeait dans votre tête depuis longtemps, et je sais que cette rencontre a eu lieu au mois de décembre, je pense. J'ai vu la photo. Non, c'est septembre. Ah d'accord. C'est septembre, l'année passée le premier contact. J'ai vu une belle photo de vous. On attendait 25 ans, j'attendais que soit un peu plus garni parce qu'il avait plus de cheveux que moi. Vous pouvez vous joindre à nous. J'attendais...
Voilà, j'attendais que Philippe soit un peu plus dégarni. J'attendais mes 25 ans, parce qu'avant il avait plus de cheveux noirs, parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois dans un train, mais il ne peut pas se rappeler de tous les gens qui lui serrent la main, TGV. Et voilà, donc on a attendu l'occasion, une bonne occasion, c'était les 25 ans. Parlez-nous un peu du... Moi je connais un peu votre histoire, mais parlez-moi de ce label. Oui, dites-moi. Oui. Le Teborza, au fait, c'était le nom. Il fallait trouver une image qui va avec le nom. Et le nom, c'était un Touareg avec... Normalement, le Touareg, c'était un turban bleu. Et alors, pour faire cette mousse blanche, il fallait faire un turban blanc. Il y voit comme un turban. On dit que ce thé-là, il voit comme un turban. Voilà, c'est la raison. Alors, le désert, pourquoi ? Parce que les plus grands buveurs de thé, c'est les gens du Sahara. Et on a cette tente, que mon ami Philippe a dit que c'est une pyramide, mais en fait, une tente, c'est une vraie tente qui vient du musée d'Afrique à Tervuren, qui était exposée là-bas. Donc, c'est un montage d'images, comme ça, elle existe. Mais on le voit mal, c'est vrai que ça fait une pyramide, mais c'est une vraie tente berbère de Sahara qui est là. Et voilà l'histoire de ce Touareg, qui est moi-même, parce que quand j'ai fait cette photo, il y avait une histoire de ayant droit de Uncle Ben's. C'est une voix. Et je ne voulais pas qu'un jour, quelqu'un, quand je vais me dire « Ah non, ayant droit, dans 30 ans, il va dire « C'est ma photo ici !» Je ne dis rien, je vais mettre ma photo dessus. On l'a un petit peu... Photoshop, il y a une vingtaine d'années, il n'existait pas comme maintenant. Donc, on a juste un peu transformé l'image. Mais normalement, c'est réel. C'est bien ma bague. Elle est là, c'est bien mes mains. La baie est à moi. Elle était prêtée par un ami. Si on regarde de plus près, on vous connaît. Voilà. Et là, c'est le chat. Vous voyez bien, il est un peu dégarni. Il a caché ça avec un turban. C'est bien lui. C'est bien. Lui, il est là. Voilà. Deux font la paire. Je ne sais pas. Lui, il a marqué si à moi dans le journal. Et moi, j'ai dit qu'ils deux, ils font la paire. Voilà. Alors, parlez-nous de cette rencontre. Monsieur Mejbal vient vous voir, il vous propose la chose. Et je crois que j'ai dit oui dans le quart d'heure qui a débuté notre réunion. Exact. D'abord parce que, effectivement, on s'était vu plusieurs fois, mais d'abord, je l'ai trouvé formidablement sympathique. Et ça aide dans les. Je dirais pas dans les affaires, c'est presque plus une affaire d'amitié que d'affaires. Parce qu'on peut faire des affaires en étant un homme de cœur. Et je crois que quand deux hommes de cœur se rencontrent, on se tape dans la main et ça marche tout de suite. Donc moi, ça m'a plu évidemment tout de suite parce que je suis buveur de thé Borazza et je connais cette marque depuis longtemps, que je la vois chez l'épicier arabe du coin, chez mon ami Imi. Je ne sais pas s'il en vendait, mais en tout cas, oui, sûrement. Il en a bu, il est venu à la maison, il m'en a préparé. Et donc... J'ai depuis toujours, moi je suis bruxellois depuis ma naissance et donc toute la communauté maghrébine fait partie de ma vie et de ma ville et un journaliste me disait mais tiens ça vous c'est pas bizarre que vous vous associez à un produit ethnique comme ça, c'est pas un produit ethnique, il a l'épicerie de la rue, il a 25 ans, le chat a 30 ans, voilà, qu'ils soient d'origine marocaine, congolaise ou n'importe quoi. Les types qui sont nés à Bruxelles sont des Bruxellois, comme moi. On est... Alors, ça me fait toujours marrer qu'on parle de biculturalité. Bien sûr, il y a une culture d'Afrique du Nord et une culture belge. Mais en Belgique, je vous signale qu'on a aussi une biculturalité flamande et francophone. Alors, on n'a pas à donner à faire la leçon aux autres. Au contraire, c'est une richesse. Plus il y aura de culture... autour de nous, de cultures différentes, et plus elles pourront s'enrichir les unes les autres. Moi, c'est ça qui me passionne dans l'aventure humaine. C'est pas qu'on reste sur nos trucs avec nos écrivains du 14e, 15e, 16e siècle. Il n'y a que ça, je veux dire. Alors non, on peut, les races un peu pures, on les fait pour la viande. Il y a le bleu-blanc belge. Là, c'est des trucs qu'on essaye de trucs. Mais chez les humains, ça ne marche pas comme ça. C'est les mélanges qui font les plus belles personnes et les plus belles idées. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes pour nous aussi une fierté. Qu'on soit belgo-belge ou belgo-immigré, quand on vous voit sur France 2 ou ailleurs, on se dit, eh ben, le chat, c'est Made in Belgium. Et ouais. Ça fait partie de notre patrimoine aussi. Alors, ma question est la suivante. Donc vous avez arrêté, vous avez pris votre pension, entre guillemets, mais j'imagine vous allez avoir d'autres activités. Oui, alors... j'ai pas du tout arrêté, j'arrête pas de dessiner le chat. Je quitte la presse. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pendant 1640 semaines, pendant 30 ans et un jour, j'ai fourni chaque semaine... une, deux, trois ou quatre, même parfois quatre planches par semaine aux journaux, et je trouvais que je méritais de changer un petit peu de rythme. Alors, ce que vous me disiez tout à l'heure me touche infiniment, parce que vous dites, on est fiers de ce que vous avez fait en France, etc. Un jour, c'est une anecdote que j'aime raconter, un jour je marche dans la rue à Bruxelles, il y a une voiture qui ralentit, il y a quatre jeunes Marocains qui ouvrent les fenêtres, et qui me disent, hé, Gueluc ! J'ai dit, oui, toi, merci de si bien nous représenter.
Et j'ai eu un moment d'hésitation. Je dis, mais attends, je ne représente pas les Marocains de trucs, quoi. Et en fait, ils voulaient me dire, merci de représenter les Belges à Paris. Et donc, eux, c'est des Bruxellois. Ils trouvent que je suis leur porte-parole. Et je trouvais ça formidable. Voilà. Et pour revenir à votre autre question, donc j'arrête pas le chat, au contraire, je continue à faire des albums qui sortiront en fin d'année, comme d'habitude, c'est devenu le cadeau de Noël traditionnel. Et je crois que depuis que j'ai quitté les journaux, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, parce que dès qu'on dégage un peu de temps... Store aussi, hein, sur iPhone, il est dessus. Oui, application gratuite sur iPhone, et maintenant... Dessin du jour, surtout Adam, j'adore Adam. Ah.